Salut les viewers de Winamax. Alors si jamais je fais pas trop long cette intro, parce qu'en fait je suis dans un casino et on joue en fait un tournoi à 100$ avec Nad Richard. Et ça a commencé. Du coup bah, je me suis dit qu'on allait vous faire vivre ça, un tournoi à Vegas à 100$. Comment ça se passe, qui va sortir en premier entre moi et Nad? Il y a environ 46 joueurs pour le moment, mais des réentries sont possibles. Donc voilà, je vous tiens au courant. Bon les potes, petite mise à jour, c'est un tournoi bounty, c'est-à-dire qu'en gros quand tu élimines un joueur, tu prends un petit prix. Et là ce qui vient de se passer, c'est que j'étais pas très bien, le stack de départ était de 20 000 et j'avais 19 000. Mais un joueur à ma gauche a fait tapis, avec 2 000 donc plus grand chose. Le joueur à ma droite a payé et j'ai payé ce tapis là. Flop vient As 7-2, le joueur à ma droite fait tapis. Du coup je call avec mon... moi j'ai As-Dame. Et en fait ben, il ouvre, il avait une paire de 10 en main. L'autre à ma droite avait As-10. Donc du coup je suis devant, ça tient jusqu'au bout. J'élimine deux joueurs et je prends donc deux bounties là-dessus. Les bounties sont à 25$, donc j'empoche 50$. Donc on est bien dans le tournoi et on va essayer de continuer. On s'accroche. Bon les potes, c'est la première grande pause de ce tournoi. Voilà Nad qui est là aussi. Je suis encore là, oui. Donc du coup, on a commencé avec 20 000 jetons, où c'est que tu en es après cette première pause? Alors, bah moi du coup, je suis montée un moment jusqu'à 40 000. Ouais. Mais il y a un truc que j'ai mal compris. Ah. Et en fait, je croyais que le mec me disait qu'il y avait 8 000 dans le pot, parce qu'il faut savoir qu'on le sait en anglais. Ouais. Donc j'avais compris qu'il y avait 8 000 dans le pot, alors qu'en fait le mec avait fait all-in et il mettait 8 000. Ah. Et moi j'ai dit call comme une débile, ce ah. qui veut dire je paye. Et voilà, alors que je pensais que c'était un raise à 1 000. Donc quoi, Winamax nous permet de jouer ce tournoi là aussi avant, un jour avant notre gros tournoi, oui. Ce qui nous permet d'éviter ce genre d'erreur. Et du coup, moi vous sachiez où c'est que j'en suis, bah après le petit bout où je vous ai expliqué où j'ai éliminé deux joueurs, j'ai encore éliminé un autre joueur avec une chatte monumentale. J'avais une paire au flop, lui aussi, mais il avait la top paire. J'ai touché une autre paire à la turn, je l'ai éliminé. Donc du coup j'ai déjà 75$ de gain. Wow. Et il est content apparemment. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir, c'est la famille Winamax. Bon les potes, petite mise à jour, je me lève pour aller aux chiottes, hein, donc c'est rien de super important. Mais nous sommes à exactement 90 000, ce qui est plutôt pas mal. On monte, j'ai encore éliminé quelqu'un, donc là du coup on en est à 100$ de gain de toute façon. Donc ça fait super plaisir parce que c'est le prix du tournoi. Et maintenant bah, il faut essayer d'aller chercher les places payées. Mais en gros il reste encore deux niveaux de blind et plus personne peut s'inscrire au tournoi. Et après on ira bah, pour savoir combien de places seront payées. Bon les amis, petit point. Nad, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. Elle a perdu, mais bien battu. As-Valet, tu sors avec As-Valet. As-Valet. Ça va. Et elle s'est pris des monstruosités. Genre, paire de dames, elle a contre paire de 10 et il touche son brelan. Donc, pas de bol sur ce tournant-là. Ouais, pas de chance, mais c'était bien. C'était sympa. Bien. On était prête pour demain, du coup. Il me parie pour demain. Définitivement. Bon, les potes, encore une pause. Et du coup, je suis pas mal redescendu, malheureusement. Deux très mauvaises rencontres. Un paire de 8. Moi, j'ouvre paire de roi. Il part à tapis. Je paye, il préflop. Et il touche son 8 au flop. Donc, du coup, je perds déjà 25 000 jetons là-dessus. Et derrière, il refait tapis. Et j'ouvre paire de 8 que je paye parce qu'il a tendance à faire tapis avec très peu de choses. En effet, roi 10 dépareillé. Donc, je suis devant, je suis content. Il touche son 10. Bon, malheureusement, pas de chance pour ce moment. Mais il me reste encore environ 60 000, 50 000, donc de quoi survivre. Et on va voir si on arrive à faire une place payée ou pas sur mon premier tournoi à Vegas. Et voilà les potes, fin de ce tournoi pour moi. Il n'est pas fini encore. On était 54 participants et j'ai fini 10e. Malheureusement, je ne suis pas dans les places payées. À la main où je perds, j'ai As-10 pareil, je décide de faire tapis. Après une petite relance, il me restait même pas 10 big blinds. C'est payé contre As-Valet. Je touche mon 10 off la turn et il touche son valet à la river. Donc pas de chance jusqu'au bout. Mais je pense que j'ai bien joué. Et puis bah, j'ai pris les 100 balles de bounty, donc c'est plutôt intéressant. Bah, j'aurais bien voulu faire un petit peu mieux parce que voilà, c'était les 6 premiers qui gagnaient de l'argent. On a fait la table finale, mais malheureusement, on sort premier de la table finale. Tant pis. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Winamax aura beaucoup plu. Et puis bah, moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, c'est Psycho17. Laissez un petit like. Ciao, ciao.